Bonjour. Aujourd'hui, grâce à NetProf, vous allez voir l'une des quatre allures d'un bateau par rapport au vent. Nous allons voir ce que c'est que le vent arrière. Le vent arrière, typiquement, c'est quand le vent vient de derrière le bateau. Dans ce cas-là, nous avons les voiles qui sont pleinement choquées, c'est-à-dire complètement lâchées. Le vent, donc prenant de l'arrière, les voiles ont du volume vers l'avant. Et nous pouvons même, par exemple, mettre le foc en ciseau, c'est-à-dire de l'autre bord. Nous pouvons donc voir que la voile d'avant faceille beaucoup, puisque le vent prenant de derrière, eh bien, elle ne peut pas être bordée complètement. Par contre, les voiles sont creuses, ont du volume, et les écoutes sont pleinement choquées. Cette allure est toutefois un petit peu dangereuse, car si on s'éloigne trop du vent et que l'on empanne, sans le contrôler, eh bien, ça peut devenir assez dangereux. Mais bon, dans ce cas-là, nous arrivons à nous en sortir. Voilà donc le cours sur le vent arrière.